Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On continue et on reprend notre texte. Toujours Genèse 35 verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Amen. On va te dire aujourd'hui, le meilleur est devant toi. Mais avant d'atteindre le meilleur, tu vas traverser une période de crise. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, eh bien, quand on change d'un état à un autre, quand on passe à une autre étape, il y a parfois des crises émotionnelles, des crises sentimentales, des crises affectives, des crises physiques, spirituelles, peuvent avoir lieu parce qu'il y a un changement de repère. Et l'homme n'aime pas le changement de repère. Il aime être dans ses habitudes. On est tous comme ça. On aime avoir nos repères du quotidien. Quand tu te lèves dès le matin tu es déjà en train de calculer tout ce qu'il y a dans ta journée de telle heure à telle heure de telle heure à telle heure et tu vois l'agenda qui se met devant tes yeux et puis tu te dis c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne faut que je parte à telle heure pour atteindre tel rendez- vous etc etc et tu laisses pas de place à l'imprévu dedans on aime prévoir les choses et quand tu entres dans le plan de Dieu c'était cet un plan spirituel un plan que tu ne peux pas maîtriser contrôler tu ne contrôles pas l'avenir avec Dieu c'est Dieu qui contrôle donc en fait tout ce que Dieu nous demande c'est de nous abandonner et s'abandonner c'est la chose la plus difficile de l'homme de dire je veux faire confiance à Dieu à 100% et je vais permettre à Dieu eh bien de changer mes repères du quotidien mes repères de fonctionnement mes repères émotionnels mes repères et eh bien parfois affectifs c'est-à-dire il va il va me mettre avec d'autres personnes pour travailler peut-être même avec des gens que j'ai pas envie de travailler mais ça va être le plan de Dieu qui passe par là et si tu restes attaché à tes vieux repères et que tu veux adapter les nouveaux repères et eh bien tu rentres dans une crise profonde et personnelle qui est nécessaire en fait pour passer à une autre étape. Et c'est ce que Jacob va vivre en fait. Mais j'aimerais te donner cet exemple. C'est on a ça eh bien dans la nature, la, la, la maman aigle et eh bien quand elle a mis au monde et eh bien des, des petits aiglons et qu'elle les met dans un nid, c'est elle-même qui a construit le nid, qui a préparé les choses avant qu'ils arrivent, avant que les œufs soient là, etc. Et donc euh, les aiglons vont apparaître et puis elle va les nourrir jour après jour, elle va leur mettre dans le bec tout ce qu'il faut. Donc eux, ils sont tranquilles dans le nid, en haut d'une montagne. Et, euh, et tous les jours, eh bien à telle heure, la maman vient, met dans le bec ce qu'il faut. Et puis elle repart et eux, ils mangent et ils, ils piaillent, etc. Et ils font leur petite vie dans leur nid. Quoi. Mais ils grossissent. Donc euh, le nid devient de plus en plus étroit. Et à un moment donné, la maman aigle, eh bien elle repère que c'est le moment pour eux d'apprendre à voler. Donc, il va y avoir un changement d'état. Il va falloir sortir du nid. Comment elle s'y prend? Il n'y a pas 36 solutions. La maman, jour après jour, continue à les nourrir. Mais dès qu'elle a fini de les nourrir, elle va enlever chaque brindille du nid qu'elle a construit elle-même. Juste à temps que le nid, eh bien, soit complètement détruit et qu'il soit obligé, maintenant, de se jeter dans le vide. Et Dieu fait la même chose avec nous. Il nous fait passer par des périodes d'affaiblissement, et on a ça dans les Écritures, c'est comme ça qu'il nous fait changer de repère, c'est qu'il nous affaiblit, afin qu'on perde, entre guillemets, le nord, comme on dit, et puis que nous puissions retrouver un repère simplement en lui. Le but, c'est d'avoir nos yeux fixés sur lui et de se laisser conduire par la lumière du Saint-Esprit, par la lumière de la parole et à lui faire confiance quand il nous dit d'aller à gauche ou à droite et de développer et d'apprendre à écouter le Saint-Esprit, à marcher par l'Esprit. Et ça, c'est tout un apprentissage, c'est l'école de Dieu. Et un homme est passé par là et j'aimerais vous donner cet exemple. Genèse 7, verset 2, c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon s'est levé pour servir Dieu, et puis il entre dans cette dimension de serviteur de Dieu. Et en face de lui, eh bien, il y a un, un os, parce que il y a le pays des Madianites qu'elle a, enfin il y a l'armée Madianite qu'elle a, les Amalécites, etc. Et en fait, ils sont innombrables. Et lui, eh bien, dans sa conception d'homme, dans ses repères humains, il se dit, il faut que j'ai un maximum d'hommes qui m'accompagnent. Donc il va chercher des hommes comme ça qui vont pouvoir l'aider. Il va se monter une armée de toutes pièces, avec 10 000 hommes. Mais par rapport à plus de 100 000 en face, c'est très peu. Mais lui, dans sa tête humaine, il se dit, ça y est, j'ai rassemblé un maximum d'hommes, on va essayer d'y aller. Et puis là, tout d'un coup, Dieu intervient, et lui dit, non, 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 non. En fait, je vais faire le tri. Et puis, je vais, je vais, je vais diminuer tout cela afin que, eh bien, la gloire me revienne totalement. Et pour lui, eh bien, ça devient difficile. Parce qu'en fait, il va passer de 10 000 à 300 personnes. C'est quasiment impossible. De pouvoir détruire une armée ennemie qui sont habitués à se battre, qui sont armés jusqu'aux dents, et lui juste avec 300 hommes, et lui n'est même pas un guerrier aguerri. Il a aucune tactique de guerre en main. Il n'a pas fait d'apprentissage. Il, il a juste dit oui à Dieu. Et il faut qu'il change de repère, à dire OK Seigneur, je m'abandonne et je te laisse faire à ta manière. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à dire oui Seigneur, je veux te suivre et fonctionner à ta manière? Même si pour ça ça peut bouleverser mes habitudes, mon quotidien, mes façons de voir, mes façons de gérer, tout ce que j'essaye de, de contrôler à l'avance, Seigneur, je refuse de contrôler. Je te laisse faire. Mon juste vivra par la foi et non par la vue. N'essaye pas de comprendre le plan de Dieu parce qu'il te dépasse de loin. Il est divin. Il n'est pas de ta dimension. Alors faisons confiance à Dieu et avançons. Comme Christ lui-même a changé de repère. Il était dans son ciel de gloire. Il a accepté de venir en simple homme, en serviteur. Il a complètement pris les repères humains afin de venir nous chercher et de nous sauver pour qu'on soit un jour avec le Seigneur. Alors qu'on ait cette même attitude de cœur que Christ, de dire Père, que ta volonté soit faite, non la mienne. Je vais prier. Merci Seigneur. Parce que, Seigneur, mon Dieu, tu es avec nous chaque jour et tu as un plan précis et tu nous appelles à nous lever, à nous réveiller et à prendre conscience de ce à quoi tu nous appelles. Seigneur, je prie pour que nos repères d'aujourd'hui ne soient pas un blocage pour notre lendemain avec toi, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous essayons de, de calculer, de comprendre, de contrôler. Seigneur, nous laissons toutes ces choses-là entre tes mains. Conduis-nous par ton esprit. Seigneur, et que de nouveaux repères, ce que toi tu auras choisi, Seigneur, nous puissions les adopter, Seigneur mon Dieu, et vivre avec, Seigneur, jusqu'à une autre étape. Merci notre Dieu, parce que nous sommes en chemin avec toi et tu conduis nos pas. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.